ça c'est pour mamie. Et puis bah voilà. En train. Il fait beau. Je suis étonnée parce que j'avais vu la météo. Vous avez dit de la fleur pour 3 jours. Donc il fait beau ça. Donc je suis dans le train, le deuxième. On est arrivé à Rouen déjà. Je vous disais, avant que madame me pique mon écharpe pour faire un oreiller, je vous disais que dans le premier train, on avait des places numérotées et tout ça, réservées et tout. On arrive, il y avait quelqu'un sur une de nos deux places. Ils nous disent, la nana nous dit, bah oui, j'ai changé parce que la personne qui est à ma place, enfin, la personne à côté, elle a pris ma place. Personne qui était à côté, donc la troisième personne, elle a pris l'autre place parce qu'en fait, si je voyage pas dans le sens de la marche, je vais être malade. Donc, cette personne-là, elle a pris la place d'une dame. Du coup, la dame, elle a été ailleurs. Et du coup, nous, on s'est retrouvés à la place, à une place qui n'était pas la nôtre. Et ça va au final. Au final, il n'y a personne qui est venu et tout. Même quand les contrôleurs ils sont venus, il n'y a plus de problème. Et c'est gonflé quand même. Surtout que quand on réserve le billet de train, et ben, on met si on veut être à côté de la vitre, côte à côte ou quoi que ce soit. Donc ça va, on était quand même toutes les deux côte à côte. Donc voilà. Oui, il y a des enfants. Non, ça m'énerve. Non, je fais ça. Voilà. Donc, le paysage, il n'y a pas grand chose à montrer. Hein. Là, on ne voit pas les rails. Bon, désolé, il y a des petites fleurs, hein, mais c'est pas de ma faute. Là, il y avait des moutons. J'espère que vous n'avez pas mangé trop de chocolat. Alors là, on est passé par la gare de Claire. Claire, c'est là où il y a un grand parc animalier. Hop, un petit peu. Ah, peut-être qu'on va voir des champs là un peu parce que là, il n'y a que des bois. Là, il y a une petite rivière là derrière. Un petit ruisseau plutôt. Dans quelques instants, ce train arrivera en gare d'Auffay. Assurez-vous de ne rien oublier à bord. Ouf. Vous voyez, il fait beau. Oh, il y a des ânes là-bas. Affiche.
ben voilà, mamie est venue nous chercher. Regardez-moi le temps qu'on a. Non, j'ai pas mis en. Bon, ben, je fais coucou quand même. Je monte la route. Il fait super beau. Alors, je me suis dit, ouais, allez, le week-end de Pâques, il va pleuvoir. Ça va être tout pourri. Ben non, là, depuis qu'on est parti. Il fait chaud aussi. Enfin, chaud, parce qu'on est dans la voiture, dans la voiture, mais dehors, ouais. Il fait pas non, si chaud. Non, mais le soleil, tout à l'heure, à la mer, il faisait pas mauvais. Hein. Il fait pas chaud. Non, il fait pas chaud. Il fait bon, voilà, il fait bon. Mais il fait pas froid. Non, ça va. Il n'y a pas trop de monde sur les routes. Ils sont tous en train de manger. Ouais, bah oui, là, à cette heure-là, ils sont en train de manger leur chocolat ou en train de vomir. Ils ont tout mangé. Voilà, bon, bah écoutez, nous, on va aller à la maison. Je sais pas si on aura de quoi manger, hein, parce que je suis pas sûre que mamie ait fait beaucoup de courses. Elle a rien préparé, mamie. Voilà. Non, rien du tout. Non, voilà. C'est pas prêt. C'est au congélateur, c'est au frigo, mais c'est pas prêt. Oui, mais enfin, il y a de quoi faire. Oui. On va faire un brunch. Bon, allez. Oh, bah, à il plus. Fait beau. Hello, ça faisait longtemps. Eh oui. Eh oui. Bon. On est lundi de Pâques. On est lundi de Pâques. Qui dit lundi. Qui dit vacances en Normandie, dit Action Normandie. C'est. Parce voilà. Qu'en principe, Action doit être ouvert. Ouais, on a regardé, normalement c'est ouvert. Pendant le live hier, on a regardé. Oui, pendant le live hier, on a. Mais le live, c'était pas sur ma chaîne. Ah non, c'est. Où ça bouge? Alors attendez, je vais me mettre autrement. Bah voilà, j'ai pris le trépied, mais ça sert à rien. Non, ça sert à rien le trépied. Non, non, non. Parce que je me suis dit ça sera plus facile avec le trépied. Ouais, et... c'est pas évident. On a essayé plusieurs trucs hein, pour filmer dans la voiture, c'est pas évident. Mmh. C'est vrai qu'on regarde comme ça, on a l'impression que tu roules à 200 à l'heure parce que les, le paysage est à côté. Bah non, regarde, je suis à 50. 8, 58. Et là, je vais ralentir parce que j'arrive dans le pays. Mmh. Dans le pays. Bah là, il n'y a même pas marqué le nom du village. Si, mais il est marqué de l'autre côté. Bah oui, bah, il est à l'endroit. Il est à l'endroit. Parce là, que dans là-bas, il y a plusieurs panneaux qui. Le village, il a la tête en bas. Ouais. Le panneau du village et il est à l'envers. Beaucoup de villages qui ont eu les panneaux à l'envers. Mais bon. Ah oui, tu m'as dit c'est les agriculteurs. Ouais. Ben, tu veux que je te prenne tes lunettes? Ah ouais, c'est bon. Ok. Bon, à la messe? Il n'y a même pas la messe. Même pas la messe? Même pas la messe? Oh, peut-être à 11. Je sais pas quelle heure il est là. Je sais pas. En tout cas, merci. Je sais plus. Ah, je t'ai pas montré. Je sais plus. Comme à chaque fois, je sais plus. Hein. Faut pas m'en vouloir. À chaque fois, je sais plus qui que quoi. Mmh. Mais j'ai reçu des photos de l'intérieur d'une église. Ah. Mais c'était. Il y avait plein de couleurs et tout. Enfin, c'était. Franchement, c'était. Mais c'est beau dans les églises. Hein, bah, t'as vu les trucs de Limoges là. Bah ouais. Après, mon. Ouf, pardon. Après, nous, on y va pour. Pour la visite, comme on visite, je sais pas moi, la Tour Eiffel, comme ça. Moi aussi, j'aime bien. Hein. Regarde, quand on a visité à Tréguier, à Tréguier ou même à Amiens, la cathédrale d'Amiens, elle est super belle. Ouais, mais c'est plus c'est, pour le côté visuel que pour le côté nous, côté le religieux, c'est pas notre truc. Non. Voilà. Ça, chacun son. Comme Pâques, voilà, on est ensemble à Pâques parce que c'est comme Noël et tout ça, mais c'est parce que c'est une fête, nous c'est plutôt une fête familiale
qu'une fête religieuse. Bon, sinon, vous avez vu le petit short que je vous ai mis ce matin? C'est beau en Normandie. Un beau ciel bleu. Bon, là, là c'est un peu arcolage. Je vois personne, Et il y a quelqu'un. Ouais, là, on est dans deux virages. Virage et en côte. En virage. Il n'y a personne. C'est pas évident. Il y a un virage là, un virage de l'autre côté. Bah oui. Donc, j'ai pas vu de biche, mais j'ai vu des petits moineaux. Je vous mettrai peut-être une petite séquence. J'ai vu un tout petit moineau qui mangeait. Enfin, je sais pas ce que c'était. Peut-être c'était un rouge-gorge. Peut-être c'était une autruche. Peut-être. Ah oui, mais une autruche, c'est pas un oiseau. Si, c'est un gros oiseau, l'autruche. C'est un gros oiseau. Ça a des plumes, c'est un oiseau. Oui, c'est un oiseau. Un oisal des oiseaux. Un oisal des oiseaux. Bah, c'est ça, ça, les accords, faut faire les accords. Bah oui. Donc, qu'est-ce qu'on va chercher chez Action? Rien. Et on va revenir avec le coffre plat. Si, mamie, elle aimerait bien trouver le bloc rose. Le grand bloc rose. Ouais, j'aimerais bien. Je sais pas ce que je ferai avec, mais j'aimerais bien l'avoir. Déchirer. Oui, moi je déchire, j'ai pas peur. Je vous ai fait une création pour le courant du mois d'avril avec ce bloc là. Et ben, on dirait des nouvelles. Un petit truc, mais oh là là, il y a plein de flottes dans les. On dirait qu'il y a un étang il là-bas. Il a bien plu hier. Ça c'est pas une journée, hein, parce qu'il y a. Hier soir, pas le matin, parce que le matin on avait un beau temps et tout, c'était super. Et il y a du ciel bleu. Alors, attendez, on va se tourner là. Il y a des nuages. C'est pas du ciel bleu. Ah si, le soleil il arrive. Oh, il est trop gentil. Mais la Normandie, c'est pas toujours pluvieux, hein. Non. Mais moi, je m'attendais à un week-end gris et de la pluie les trois jours, vu la météo que j'avais vue sur le téléphone. Et en général, le téléphone, il se plante pas. Ouh, ça bouge. Voilà. Alors, cette semaine, c'est mamie. La semaine prochaine, c'est Margot. C'est voilà. Le mois d'avril, il commence très très bien. Mais je trouve que le mois de mars, il est passé à une vitesse. Mais c'est ce que je disais avec Mathias. Ouais. C'est que... Attends, je vais... C'est ce que je disais avec mon mari, mon époux chéri, chéri, mon gendre préféré. Ouais, elle en a qu'un. Et on a l'impression qu'il y a 15 jours, c'était Noël, quoi. Ah ouais, non, mais le mois de mars, j'ai trouvé que... Enfin, janvier, février, mars, je sais pas, j'ai trouvé que ça a passé super vite. Long parce que je suis toute seule, mais vite quand même en temps. Enfin, au quotidien, mais voilà, au final. Ouais. Parce que les journées passent super vite. Eh, on va être obligé de déjeter un gâteau quand même. Bah, si on trouve une boulangerie ouverte. Si une boulangerie ça marche. Hein. Le lundi de Pâques, si les boulangeries ne marchent pas. Non ? Ouais, si tu veux. Hein. Bah, pas de soucis. Pas de raison, papy, moi j'ai des gâteaux, elle était tout le temps. Alors là, pour moi, j'ai un petit si gâteau. Hein. C'est pas toute l'année, c'est les anniversaires j'ai toute l'année. Un petit gâteau, il n'y avait pas de droit, mais on mangeait de petits. T'en gâteaux. Veux plus la croûte des tartes. Oui, on mangeait les fruits. Tu veux la croûte? Oui, vas-y. Bon, bref. Ouais. C'était le bon temps. Ouais, après, il s'étonnait qu'il y avait un peu de diabète. Un petit peu de diabète. Mais bon, c'est comme ça. Lidl, c'est ouvert. C'est... Ouais. Regarde, il y a des. J'allais dire, il y a ah des. Oui, parce qu'on a regardé aussi Lidl. Non, mais des fois, je crois que mon cerveau n'est pas connecté. C'est ouvert. Bah, on ira chercher un gâteau là. Ouais. Ils ont pas grand chose en gâteau, eux. Ouais, mais j'ai pas de monnaie, moi. Il faudrait que j'aille tirer des sous. Peut-être qu'ils auront. C'est dans les boulangeries. Ça ferme à midi, hein. Je sais même pas quelle heure il est là. Là, sur ton truc, il y a marqué 10h40. Donc ça fait 11h40. Déjà? Bah oui. Ah non, elle est à l'heure. Non, elle est à l'heure. Puisque je l'avais pas changé au changement d'heure d'hiver. Donc là, elle est revenue. Bah oui, c'est ça, oui, 10h40. Je sais pas, je peux pas regarder. Oui, bah 11h15, oui. Bah, je suis pas sûre qu'à midi, on soit revenu. Hein. Oui, bah tant pis. Tant pis. Encore de la flotte. Ah, mais ça fait plein de. Il y a plein de grosses nappes d'eau là. Alors, nous sommes arrivés à Neuchâtel.
j'ai pas le permis, mais j'ai deux, trois notions quand même. Là, c'est ma pharmacie. Ouais. Là, on sait pas ce qu'ils vont construire. Là, ils construisent un truc, je sais pas ce que c'est. Est-ce qu'on va rencontrer quelqu'un? Parce que souvent, on vient et bim. Tu vas tout droit, toi, non? Les clignotants, c'est pour... Ah bah moi, je l'ai mis, mon clignotant. Non, la dame qui a tourné. Quartier des mille pieds. Là, on a un rond-point, c'est pas un rond-point. C'est une tête de cacahuète. Non, ils appellent ça la tête de cheval. Je sais pas. Avant, c'était pas une cacahuète. Non, non, ça a toujours été la tête de cheval. Ça ressemble pas du tout à une tête de cheval. De chevaux. De chevaux. De chevaux. Oui. Cheval, chevaux. Oisal, oiseau. Oisal, oiseau. Ah, ouais. Ah, bah non, c'est vrai que les travaux, aujourd'hui, ils travaillent pas. Ah, non. Le chauffage là-haut, tu l'avais mis fort quand même, non? Il fait chaud quand même. Ah bah tu l'as baissé. J'espère que tu l'as baissé. Non, j'ai ouvert toutes les fenêtres. Bah non, là-haut. Je rigole. Même Camille, elle doit pas avoir froid non plus. Non, je suis rentrée dans la chambre pour aller chercher un truc. Oh pouf. Ah ouais, mais. J'étais bien là. Elle est pas venue, hein. Tu viens? Non? Oh bah non. Elle est mignonne sa voiture. Elle se repose. Cette coccinelle là. Ouais. Toute beige, elle était toute. Elle se repose. Bah elle est en vacances. Elle est en vacances, elle se repose. Et à la campagne, de toute façon, y a pas de... t'as pas entendu de coq? Si. Pas... Si, hein. Si, si, je l'ai entendu. Moi, j'entends pas. Moi, dans ma pièce en bas, j'entends. Je l'ai entendu et je pense qu'il a dû y avoir une bestiole qui est venue manger devant parce que j'entendais. Et puis... Ah bon? J'entendais, mais mes yeux voulaient pas trop se devant la maison? Ouais, j'entendais. Oh oui, oh. Ouais. C'est peut-être Titi. Hein. Ouais, pauvre Titi, il n'y a plus grand chose, il n'y a plus d'arbres, il n'y a plus de feuilles, il n'y a pas de noisettes. Oui, bah oui, mais il y en a encore des graines. Mais oui, mais il doit venir parce que dans mon bois, je retrouve plein de noisettes décortiquées. Oui, mais les noisettes, il n'y en a plus là. Donc ça veut dire qu'il a dû mettre ses réserves là. Bah oui, c'est vrai en fait. Parce que ouais. Parce que là, dans mon bois, à chaque fois que je cherchais le bois, ça cliquette. Oui. Ben c'est ça qu'il a dû faire quand je le voyais l'été. Ah ouais. Il devait faire ses réserves, bling, aller les cacher. Oui, on parle la vie des écureuils. Oui. Vous êtes avec nous, mais on parle quand même. Jardin. Ah bah ça aura pas duré longtemps la solderie. C'est fermé, ça y est. C'est un truc de carrelage. Ah bon? De toute façon, c'était tout pourri. Ah oui, non, mais attends, ils en ont rouvert un à Londinière. C'est pourri, c'était pourri le truc là. Ouais. Non, mais si ça se trouve, c'est les mêmes qu'ils ont pris à Londinière. Oui, mais quand on y est allé, c'est. Ouais, non, pas mais envie, c'était au début. C'était des grosses motos. Ouais. Mais il doit y avoir des rassemblements des fois dans le coin parce que. Ah, c'est souvent. Même hier, il y en avait des grosses qui sont passées devant chez nous. Non, mais c'est souvent qu'il y a des motos ici. Enfin, partout, il y a des motos, mais enfin des grosses, tu te rappelles celles qu'on voyait là? On aurait dit des trucs des films américains, le gros manche là. Je sais pas comment dire. C'est beau à voir défiler, c'est beau. On en avait vu au Plessis-Balisson, tu te rappelles? Il y avait plein. Alors, bah c'est fermé. Non. Oh bah non, c'est. Non. Bah non, c'est ouvert. Non. Regardez-moi ça. Hop. Ta-da. Oula, ça vacille. Il n'y a pas trop de voitures. Non, ça va, tu vas pouvoir te garer. Oh, bah ça va. Ouais, ils ont mis des trucs pour les voitures électriques. Oui. Bah oui, mais ça prend de la place sur le parking. Parti. Oh, bah j'ai 40 minutes. Ça va aller. Ça va aller. Bon, j'ai coupé vite fait là tout à l'heure. Là. Oh, les gros bouts de bois. Ah, ils ont coupé un arbre énorme. Ouais. pardon. Je regarde le paysage. Je vous ai coupé vite fait tout à l'heure parce qu'il y avait des gens qui allaient être en gros plan. Je me suis dit non, ça se fait pas quand même. Donc j'ai coupé vite fait à l'arrache. Voilà. Donc, nous avons été chez notre fournisseur officiel. Comme vous avez pu le voir. Ah bah voilà, je suis calme. On devait rien acheter. Si, moi aussi on a si dit. Si, je devais acheter une prise. Oui, une double prise et finalement t'as pris deux prises. Pas bien, attendez, vous avez pas mal au cœur? Allez chercher une bassine. Et moi j'ai trouvé quelque chose de très mignon, des petites nouveautés. Je vais vous montrer ça. Et je vais pas vous faire un haul à part, hein. Vous en avez ras-le-bol, des hauls sur ma chaîne. Ensemble. Je mettrai. Mais non, moi je mettrai ça sur mon blog. Non, mais oh, non, je vais. Ou alors on peut montrer sur. Bah, quand on verra, on fera notre papote là. Ouais.
Alors, je ne sais pas, vous, dans votre région, comment elle est, votre mentalité. Mais là, il y a un monsieur qui était super surpris, en fait, super surpris. Super surpris, super, oui, oui. Super surpris. Oh là, c'est tout vert d'habitude quand je viens l'été, là, c'est tout jaune, tu sais. Eh bien, oui, là, c'est tout vert. Là, c'est tout vert. Bref. Oui, alors il y a quelqu'un qui m'a dit aussi en commentaire, on a du mal à te suivre, hein. Tu pars dans tous les sens, on a du mal à te suivre. Bah, c'est comme ça, c'est à prendre ou à laisser, c'est comme ça. Donc, je reviens, je ferme la parenthèse. Là, je suis rentrée dans une boulangerie pour acheter du pain, bien entendu, mais pas que. Et j'étais en train de regarder les gâteaux, voilà. Et il y a un petit monsieur qui rentre juste derrière moi dans la boulangerie. Moi j'étais encore en train de regarder les gâteaux, puis il a vu deux trois petites pièces dans la main. Et je lui dis, bah allez-y monsieur, moi j'ai pas encore choisi mes gâteaux. Enfin, c'est compliqué, choisir trois gâteaux, je vous dis pas, c'est très compliqué. Il faut acheter n'importe quoi. Hein. Et non mais en fait c'est que tout avait l'air bon, donc c'est difficile des fois de choisir. Oh, c'était un petit lapin ça. Je sais pas, oh, mais c'était un petit truc. Oui, mais il était croisé déjà alors. Non mais non. Pardon. Ah oui, c'était un petit truc, oui, hein, un petit chat. Un petit... Mais je sais pas trop ce que c'était, mais il était en plein milieu là. Ouais, bon, bref, il était. Ouais, bon. Je croyais que tu n'avais pas vu. Ah si, j'ai vu, oui si. Mais moi déjà rien qu'à. Je crois que les oiseaux. Je non mais vous allez l'avoir, vous allez savoir ce qui s'est passé après. Hein. Pour l'instant, c'est. Bon, bref, bon, on va arrêter de parler des oiseaux morts. Donc, je laisse passer le monsieur. Je lui dis, bah allez-y, monsieur, moi, je suis en train de choisir mes gâteaux. C'est bon, vous suivez? Et il me dit, ah bon, vous me laissez passer? Bah, je dis, bah oui, allez-y. Enfin, moi, je suis en train de choisir, là. Enfin, bah, allez-y, ça ne me dérange pas. Ah, bah, il était tout étonné. Alors, après, je dis ça à mamie quand je rentre dans la voiture. Elle me dit, bah oui, ici... c'est des vrais abrutis. Non, c'est des sauvages. Ah oui, pas ça. Pas dit des abrutis, j'ai dit c'est des sauvages. Ça voulait pas dire la même chose. Le ton, bon, c'est des sauvages. Ils vont pas laisser passer. Des fois, ils peuvent avoir un caddie. Enfin là, c'est pas des caddies. C'était, on était sans caddie, mais dans les magasins, ils peuvent avoir une montagne de courses dans leur caddie. Toi, t'es derrière avec deux pauvres bricoles. Ils vont pas te laisser passer. Ils te regardent, mais ils vont pas te laisser passer. Non. Je trouve ça un bon, je suis mon moi je laisse passer. Moi franchement, même à mon âge, je laisse passer des gens qui sont derrière moi. Mais même si je vois qu'ils n'ont pas grand chose. Même tout à l'heure, j'ai voulu te gronder. Oui. Parce que là, il y a une personne qui met en rayon. Mmh. Elle a fait tomber des trucs. Moi, j'allais ramasser quand j'allais passer. Ouais. Mamie, qui est bancale comme je sais pas quoi, elle s'est baissée pour lui ramasser les trucs par terre. Elle est bancale, mamie, et hop, bim. Bah non, mais. Non, non, mais c'est vrai, oui, oui. Non, mais c'était pas à toi de le faire. C'est la... Non, mais c'est la politesse. Il y a la politesse et il y a aussi la logique, quoi. Enfin, c'était à moi de le faire, c'était pas à toi de le faire. Bah oui, mais j'étais plus rapide. Ah bah mamie a eu ramassé son rouleau de sopalin, là. Non, de film alimentaire. Et j'ai dit, mais c'est pas vrai. Je vais l'engueuler. Bah oui. Bon, je l'ai pas engueulé dans le magasin. Non. Mais c'est pas possible. Bah non. C'est pas possible, ça. C'est pas possible, ça. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est pas possible. Ah, mais j'ai pas une fille facile quand elle est là, vous savez. Bah moi je la maltraite. Ouais. J'ai pas une fille facile. C'est ouais. Ils sont pas là les poules. Eh, y a pas les vaches dans le champ en face. Encore. Ah, ouais, ils vont pas tarder à les sortir, mais. Là pour l'instant, non, tu vois pas beaucoup des vaches dans les champs encore. Tout à l'heure, si, il y en avait plein, ouais. Des belles vaches normandes là, noires et blanches. Ouais. Je m'en bouffe, attention. Bah non, mais regarde ta route, toi. Bah, je regarde ma route. Hein, On a acheté un pain aussi. Oh, on passe du coq à l'âne, mais c'est pas grave. Ouais, un petit pain aux graines là. Mmh. On n'a rien à manger avec, mais. Oh, du bah, pain, si. Ça se mange comme ça. Non, mais enfin, je veux dire, il n'y a pas des trucs à saucer. Bah, on va faire de la sauce. Ça... Mamie a fait 3 kilos de riz hier. Ah bah hier, tu m'as dit, mais 2 sachets. J'ai non, mis 2 sachets. Tu m'as dit, est-ce que j'en mets un ou est-ce que j'en mets 2? Après, ça dépend si Camille, elle en mange ou pas. Camille a dit, oui, je vais en manger. Finalement, bah, on va le manger là. On va faire le rôti de saumon coquille Saint-Jacques. Là. Excusez-nous, nous allons faire un petit rôti de saumon coquille Saint-Jacques. Mm-hmm. C'est pas mal ça. Puis du coup, on va faire du riz avec. Bah, mais il n'y a pas de sauce ça dans le saumon. Bah oui, mais on va en faire. Avec
bah, avec du beurre. C'est, puisque c'est au four, je vais mettre du beurre. Ouais, ouais. Ça cuit combien de temps, ça? Un certain temps. Et midi moins un œuf, là. C'est l'heure de passer à table. On va pas manger avant 2 heures. Tu crois que c'est week-end de Pâques, toi? C'est tranquille. Oui, on va pas manger. Oui, là, le temps que je le mette en route. Il n'y a pas de soleil, mais que ça... je tourne ma vidéo, que... Oh là. Oui, tu mets en route et pendant que ça cuit, on fait la vidéo. Bah oui, bah oui. Et je fais la vidéo avec toi? Bah oui, oui. Ah, j'ai mal au bras. Quand on est ensemble, on fait des vidéos ensemble. Ah, hein. J'ai mal au bras. Ah, vélo. Vas-y, poupou. Ah, oh, c'est un tandem. Ouais, ça descend. Ça va, ils ont pas trop de mal à descendre. Là. Mais après, même à descendre, tu le ferais pas? Non, parce que je sais plus monter sur un vélo, mais de toute façon... Si, c'était en tandem, tu te mets derrière. Oh, ben non, je tiendrais même pas, moi. Non, je serais tombée. Oh non, mais je suis pas... Pas le boulet. Ah oui, je suis un vrai boulet. Ah, peut-être que... Peut-être que vous allez voir les coqs, ouais. Il faut qu'il y ait personne derrière moi, comme hier, parce que... Hier, je me suis dit, ah, le coq, et mamie a fait, mais je peux pas, il y a des voitures. Ah bah oui, puis elle me collait au cul, Léon. Attends, on va... Enfin, elle me collait derrière la voiture. Ah, bah tiens, je tiens mal. Je regarde la route, je regarde pas vous, alors du coup, je tiens un peu mal le truc. Aujourd'hui, c'est jour férié, ouais. C'est jour férié, ils sont peut-être pas là, les poules. Hein. Allez, allez, coco. Allez, on va ralentir un petit peu, voir si elles y sont. Bah. Oh. Oh. Bah non, elles sont pas là, les poules. Oh. Et t'es beau, hein, et t'es gros. Ah. Où non. Ça? Ah non, c'est une fleur. Bah non, c'est... Non. Et un chien là-bas? Non. Oh, on n'a pas. Bon, mais attends, ah, bah, ça y est, de l'enfer qui était tout pourri. Ah, bah oui. Ouais. Bon, mais pas le coq. Il était pas. Beau, enfin vraiment, on aurait dit un. Et celle-là, elle est toujours pas vendue. Puis je sais pas si un jour elle sera vendue. Ah bah je vais l'acheter. Oh bah non, elle est trop moche. Ah vous voyez, elle veut pas de moi. Ah bah si, mais elle est trop moche comme maison. Celle-là, ils l'ont bien retapée. Oui, on fait visite guidée, on voyait rien, mais. Ouais. Ça, c'est la mère machin, ça, c'est le père bidule. Oh bah non, je connais même pas leur nom, non. Alors là. J'ai oublié mes poubelles. Oh, mais ça va, elles sont pas dans la voiture au moins. Non. Parce que des fois, c'est arrivé cet été. Hein. Oui, c'est arrivé. Ouais, c'est même arrivé que je suis arrivée chez toi avec la poubelle. Hein. Ouais, ouais. Mais. C'est quoi ça? Oh, c'est beau. Il y a un gros oiseau. Un gros oiseau avec des plumes. Il y a pas mal d'oiseaux ici hein, quand même. Allez, bon ben, salut la compagnie. Vous êtes secoués? Oui, bah, ça c'est le chemin. Hein. Ça faudrait avoir un 4x4. Ah ouais, là, il faut que j'y aille doucement. Bon là, allez, quand bisous. Quand c'est sec, ça va, mais quand il pleut... Je veux pas te couper la chic. Au revoir. Au revoir. Bien. Au revoir. Bisous. On est rentré. Bon, faut que je lave mon truc là, parce que j'ai essayé de le plier correctement, parce que dans le train, j'ai fait des taches de chocolat. Mamie, il faudra que je passe ça à la machine pour demain. Non, mais je vais te passer là. Regardez la grosse crade. J'avais bu du chocolat dans le train, un chocolat chaud. Je vais te le passer avec du blanc. Je vous avais montré ça quand je suis partie à Limoges. Alors, je vais vous expliquer la petite histoire. En fait, l'année dernière, j'avais eu un partenariat avec les produits Wild. Et ils m'avaient proposé ça, mais j'étais en vacances ici. Donc, le produit, ils me l'ont envoyé ici. Et là, récemment, ils m'ont proposé ils m'ont dit si je voulais en refaire un. Moi, j'ai dit oui. Je dois être dans leur compte. Enfin, dans leur listing, on va dire. Et l'autre jour, mamie, elle me dit « Regarde, j'ai reçu un truc et tout. Ah, ben, je sais pas, ça, c'est pour moi. » Et en fait, ils ont gardé l'adresse de Normandie. Et je les ai contactés. Et du coup, ils m'en avaient renvoyé un autre à la maison. Donc, je vais quand même vous le remontrer ici. Oh, c'est pas bien méchant. Alors, nous avons la base. En fait, l'emballage, enfin le truc quoi, je sais pas comment vous dire, attendez, voilà. C'est peut-être marqué, la base, voilà, non, check the base, mais c'est pas écrit en français,
la base, le contenant. Voilà. Et vous avez les petites recharges et refils. Les petites recharges qui fait que vous pouvez changer et d'odeur et de parfum et tout comme vous voulez. C'est bien parce que du coup, quand vous avez par exemple un déo, vous achetez un déo dans le commerce, voilà, en grande surface, vous avez vos déos, quand il est fini, bim, à la poubelle. Ça, vous le gardez tout le temps et c'est juste l'intérieur que vous changez. Alors, c'est pas compliqué du tout. Vous appuyez sur les deux boutons là, sur chaque côté, tac, vous l'ouvrez. Bon, vous enlevez l'emballage. Par exemple, là, on va mettre lilas blanc. Non, linen, lilas et lin, je crois que ça doit être. Voilà. Ça sent très bon. Et vous le mettez dedans, comme ça, là, clac, tout bêtement. Et vous remettez votre machin dessus. En rentrant les petites encoches là de chaque côté. Après, il suffit, hop, vous tournez ça juste pour relever le machin qui. Et après, la 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 la, et voilà, et vous sentez bon des aisselles. Voilà. Et hop, vous pouvez le remettre dedans, hein, vous voyez. Là, moi, je l'ai remonté, mais hop, vous pouvez le rebaisser, mettre le bouchon, et voilà. Sur le site, il y a possibilité de les graver. Moi, l'année dernière, j'en avais fait graver un pour Camille. Donc, ça, c'est chouette. Et après, il y a un système, si vous voulez, un système d'abonnement qui vous envoie le truc tout le temps. Ou sinon, vous pouvez acheter juste en une seule fois, vous pouvez acheter le truc. Alors, il y a Purple Rain. Alors, je ne sais plus trop ce que ça sent. Je ne sais pas si je l'avais eu, celui-là. Si ça, fleur de cerisier, je l'avais eu. Je sais que Camille a été... Elle dit, ouais, c'est bien ça. Fleur de cerisier. Et celui-là, c'est Purple Rain. La pluie pourpre, je ne sais pas. Vous voulez sentir? Oui, il sent bien, oui. Tiens, tu veux sentir? Oh, si, c'est frais. Ouais, c'est frais. Oui. Voilà, donc c'est un déo en stick. Voilà. Oui, c'est pas mal. Bon, je l'ai dit, je l'avais même pas ouvert. Hein, même tout, pas, hein. C'est bien, t'es sage. Hein? Ouais. À la vôtre, en fait. Hein. Moi, je suis comme si vous n'étiez pas là, en fait. Et je vous l'avais montré, donc, quand j'étais à Limoges, parce que c'est pratique, ça, dans le sac. Dans la trousse de toilette, c'est fin, tu vois. T'as pas une trousse de toilette que t'arrives pas à fermer parce que t'as mis trop de trucs. Voilà, dans le sac, bon, il faut un gros sac. Moi, dans mon sac, si je mets ça, il est rempli. Moi, j'ai un tout petit sac à main. Voilà, je voulais vous remontrer ça puisque je l'avais reçu ici. Je pense que je vais le laisser là. Du coup, quand je viendrai en vacances, ben, j'aurai pas besoin de ramener mon déo. À plus.